Bien sûr, c'était mon drame, c'était mon grand secret. Bien sûr, j'étais une femme, mais rien n'y paraissait. Bien sûr que dans ma barbe, moi je riais pas du tout. C'était insupportable, je pensais devenir fou. J'avais les cheveux ras, ça me donnait l'air viril. Ça convenait à papa, qui voulait que je plaise aux filles. Mais les filles que je trouvais belles, je voulais pas qu'elles me trouvent beau. Moi je voulais être comme elles, pas caresser leur peau. J'étais comme une princesse en uniforme de duc. Je voulais qu'on me fasse des tresses, pas qu'on me déblaye la nuque. Là où je voulais des seins, ils me poussaient des muscles. J'avais d'énormes mains, on me qualifiait de robuste. Je suis le petit dernier, le cadet du régiment. J'ai été désiré, on m'espérait tellement. Papa a eu son gars, je n'ai eu que des sœurs, les filles d'abord, et moi, un garçon par erreur. Moi, je voulais pas être beau, je voulais être ravissante, mais j'étais trop costaud pour ce que j'avais dans le ventre. Ma vie s'est trompée de peau, elle s'est trompée d'hormones. J'ai pas le bon numéro, je suis pas la bonne personne. On m'a prénommé Charles, j'arrive d'une autre époque, celle d'avant que les jeunes parlent et que les curés défroquent, celle d'avant que les parents acceptent que leur fils puisse être un autre enfant que ce que dit leur pubis. J'ai 82 ans, j'ai plus le temps d'attendre. Parler du bon vieux temps, disons que c'est pas mon genre. Je veux qu'on m'appelle Jeanne, avoir les cheveux longs, marcher avec une canne et avec des talons.